J'apprécie la compagnie des esprits, oui. C'est en partie pourquoi je ne cherche pas à les contrôler. Et si je vous le demande? Peu importe. Et puis je ne pratique pas la magie du sang, donc cette conversation est purement spéculative. Il refuse de me contrôler. C'est un mage. Il aime les démons, mais il refuse de m'aider. Pourquoi vous voulez que Solas vous contrôle? Pour me protéger. Si Solas refuse de me contrôler, quelqu'un d'autre acceptera peut-être. Sûrement. Comme les mages de la garde. Et alors, je ne serai plus moi. Des murs tout autour, qui bloquent, qui saignent, qui me changent en monstre. Un mage du sang pourrait très bien faire ça à n'importe lequel d'entre nous, humain ou démon. Vous devriez demander à Solas de vous contrôler, vous aussi. Et après, quelqu'un d'autre pourra le contrôler, lui. On trouvera un moyen de vous protéger sans vous contrôler, Cole. J'ai une suggestion, si Cole veut bien l'entendre. Je me souviens avoir entendu parler d'amulettes utilisées par les voyants triveniennes pour protéger les esprits qu'ils invoquaient des mages ennemis. Un esprit qui portait l'amulette de l'irrestreint était insensible à la magie du sang et à son contrôle. Ça devrait protéger Cole. Avec les ressources de l'Inquisition, nous pourrions retrouver ce talisman. Bien. Ils ne mourront pas. Le but, c'était pour aider, pour enlever la peur. Je ne veux pas en enlever trop. Ce n'est pas moi. J'ai trouvé l'amulette dont parlait Solas. Vous voulez l'essayer? Oui, mais pas ici. J'aime bien cet endroit. Il nous faut un lieu qui n'ait pas d'importance, qui puisse disparaître si besoin. Qu'est-ce que j'en fais? Vous avez trouvé l'une des amulettes. Excellent. Je peux? C'est simple. Vous la mettez, je l'imprègne de magie, et vous devriez être protégé. Vous êtes prêt, Cole? Je ne peux pas devenir un monstre. Ah! C'était quoi, ça? Ah, bon, mais qu'est-ce que vous faites au petit? Il essaie d'empêcher les mages du sang de me contrôler, comme les démons de l'inébranlable, mais ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui bloque le sort. Comme le fait que Cole ne soit pas un démon, par exemple? Solas, est-ce qu'il serait possible que l'amulette ne fonctionne pas sur Cole parce qu'il est trop… humain? Même si le cas de Cole est particulier, ça reste un esprit. Eh oui. Un esprit qui ressemble étrangement à une personne. Je ne suis pas important. Vous n'avez qu'à enfermer les parties de moi que quelqu'un pourrait essayer de contrôler. Concentrez-vous sur l'amulette. Dites-moi ce que vous ressentez. Une chaleur, une couverture douce. Mais elle s'accroche, s'arrache. Je n'ai pas la bonne forme. Il y a quelque chose. Là-bas, dans cette direction. On va trouver ce qui empêche l'amulette de fonctionner, et on va y remédier. Petit, allez chercher Cullen et travaillez avec lui sur la carte pour retrouver l'origine du problème. Vous voulez bien venir avec moi? Tous? Bien sûr. C'est bon, j'ai compris. Vous aimez les esprits. Mais il est venu dans ce monde pour être une personne. Respectez ça. Si je trouve un moyen de protéger Cole sans lui enlever
ce qu'il est, je le choisirai. Mais il a besoin de notre aide. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Mais ce rituel ne marche que sur les démons, non? Ça n'a rien d'une histoire farfelue, fils de la pierre. Nous ne pouvons pas changer notre nature aussi facilement. Ah oui? Il faut simplement régler le problème. Et pour ce faire, nous devons retrouver ce qui bloque le sort. Ouais, ça devrait me tenir le mois. Laissez-moi un instant. Bonjour, je peux vous aider? Vous... Vous m'avez tué! Quoi? Je ne vous connais même pas. Vous avez oublié! Vous m'avez enfermé dans le donjon de la flèche! Vous avez oublié! Et je suis mort dans le noir! La flèche? Cole, arrêtez! Du calme, petit. Il m'a tué! Il m'a tué! C'est pour ça que ça ne marche pas! Il m'a tué! Et je dois me venger! Avant de tuer qui que ce soit, je veux comprendre ce qui se passe. Cole, cet homme n'a pas pu vous tuer. Vous êtes un esprit. Vous n'avez pas de corps. Un corps cassé, ensanglanté, cinglé contre la cellule de pierre, le ventre noué dans l'obscurité, dans l'humidité, un apostat capturé. Ils l'ont jeté dans le donjon de la flèche à Val-Royo. Ils l'ont oublié. Il est mort de faim. Je suis arrivé pour aider, mais je n'ai pas pu. Alors, je suis devenu lui. Cole. Si Cole était un apostat, ça veut dire que le gars qu'on vient de voir était un Templier. Il devait acheter du lyrium. Laissez-moi le tuer. Il faut... Il le faut. Solas? On peut pas laisser Cole tuer cet homme. Personne n'allait suggérer ça, Loustic. Cole est un esprit. La mort du vrai Cole l'a blessé, détourné de son but. Pour retrouver cette partie de lui, il doit lui pardonner. Facile à dire. On ne pardonne pas comme ça à quelqu'un qui vous a tué. Peut-être pas vous, mais un esprit en est capable. Varric? Le petit est en colère. Il faut qu'il digère. Un esprit ne digère pas ses émotions. Il les incarne. Mais ce n'est pas un esprit. Il s'est fait homme, et les hommes changent. Ils se font mal, et ils pensent leurs blessures. Il a besoin de gérer ça comme une personne. Ça altérerait son essence même. Il s'est infligé ça lui-même en quittant l'immatériel. Je l'aide juste à survivre. Avant de prendre une décision, il faut que j'aie une meilleure idée de ce qui s'est passé. Le vrai Cole était, semble-t-il, un apostat, capturé et emmené au cercle par les Templiers. Qui ne sont pas vraiment connus pour leur délicatesse. Alors que le jeune homme mourait de faim dans un donjon, sa douleur a attiré l'attention d'un esprit de compassion, certainement. De compassion? Un esprit peu commun, et très fragile, surtout quand ses tentatives d'aide se sont avérées vaines. Cole ne sera pas un être humain à part entière, tant qu'il n'aura pas accepté ce qui s'est passé. Laissez-moi m'en charger. D'accord, petit. Vous voulez vous venger? Venez avec moi. Tellement désolé. Vos excuses ne changeront rien, pas vrai, petit? Non. Allez-y. Abattez-le comme un chien enragé. Allez! Non! Ça va, petit? Vous vous sentez mieux? Non.
Vous ne pouvez pas faire abstraction des difficultés. Je l'ai appris à mes dépens. Oublier. Non. Il faut qu'ils se souviennent. Vous aussi. C'est terminé. Ce peu fort que l'amulette ne fonctionne jamais maintenant. Cole reste vulnérable au contrôle. Non, l'amulette ne marche pas parce qu'il est trop humain. Peut-être que le petit est aussi trop humain pour être sensible au rituel de contrôle. J'espère que vous avez raison. J'ai toujours mal. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Être entouré de vos amis, ça peut vous soulager. Allez, petit, venez donc vous promener, ça vous changera les idées. La main gauche a perdu une amie qui porte deux noms. Elle souffre, elle est triste. Seule, mais... Tout le monde peut me voir maintenant. Ils se souviennent. Comment mettre du miel dans le vin de Liliana sans qu'elle le voie ? Là, je peux vous aider. C'est une bonne chose qu'il n'ait pas complètement changé, même s'il est plus humain qu'avant. Inquisitrice, quel honneur de vous recevoir. Puis-je vous apporter un plateau de fromage à vous et votre invité ? Je ne mange pas. Bien, alors peut-être une bouteille de bon Ghislain blanc pour commencer. Passez une agréable soirée, votre grâce. Il m'a vu. Ils me voient tous. Je suis contente que vous leur ayez permis de vous voir. Je sais pas si c'est moi qui ai fait ça. Je trouve des gens rongés par la douleur. J'efface cette douleur. Je pars, ils oublient. Ça me suffisait, maintenant. Ils se souviennent. Et je ne sais pas... Cole ? Je vous ai parlé de Rhys, le mage qui me voyait, mon ami. Mon seul ami pendant longtemps. Evangeline m'a montré que les Templiers pouvaient être gentils, mais même elle... Cole, si c'est difficile, on n'est pas obligé d'en parler. Vous me regardez sombrer dans l'obscurité encore et encore, et vous vous inquiétez toujours. Merci. Mais ce n'est pas d'eux dont il s'agit. Quand j'ai su que je n'étais pas humain, quand j'ai grandi, j'ai perdu Rhys. J'ai perdu mon seul ami. C'est pour ça que j'avais peur de laisser tous ces gens me voir. C'est pour ça que j'ai ri. Vous riez de vous-même ? Oui. Le monde m'a appris que changer, c'est perdre ses amis. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas toujours vrai. J'ai assez grandi pour savoir que ce que j'ai ressenti était idiot. C'est merveilleux, non ? C'est une étape importante, Cole. Peut-être que je vais aimer être humain. Qu'est-ce que je vais apprendre d'autre, à votre avis ? Merci de m'avoir prévenu, mais tu n'aurais pas dû venir toi-même. Et si la guilde l'apprenait, ou machin chose ? T'es inquiet pour moi ou pour toi ? Les deux, mon capitaine. C'est moi qui risque ma peau, après tout. Oh, t'en fais pas, je te protégerai. Il faudra juste qu'on... Eh ben ça, c'est une surprise. Vous êtes l'inquisitrice, c'est ça ? Bianca Davry, pour vous servir. Vous vous appelez Bianca ? C'est un prénom courant. La moitié des filles de la guilde marchande s'appelle Bianca. L'autre s'appelle Helga. Je m'estime plutôt heureuse. J'en déduis que vous êtes une amie de Varric. Tout le monde est l'ami de Varric. Vous devriez le savoir. Tous les amis de Varric sont les bienvenus ici. Faites attention à ce que vous dites. Il a des amis que vous préféreriez ne pas rencontrer. Enfin, peut-être que si. Qu'est-ce que j'en sais ? Bianca tient une piste sur l'endroit où Corypheus aurait trouvé son lyrium rouge. L'emplacement de la folie de Bartrand, le Teg que Varric a trouvé, a été divulgué. Il y a une entrée pour les tréfonds, sa grouille d'humains étranges qui remplissent des chariots et des chariots de lyrium rouge. Comment on peut être sûr qu'il n'utilise pas plusieurs entrées pour accéder au Teg ?
On ne se déplace pas dans les tréfonds comme à la surface. Il n'y a pas de carte détaillée de tout le réseau, et puis il y a des effondrements, des engeances, des coulées de lave. Si vous trouvez un chemin qui mène à votre destination, vous vous y tenez. Essayer de trouver un autre accès pourrait s'avérer mortel. Qui aurait bien pu divulguer l'emplacement du TEG ? Il y avait plusieurs personnes au courant. Des mercenaires de l'expédition, quelques amis proches. Mais peu importe comment ils l'ont découvert. Ce qui compte, c'est qu'on sache où il se trouve maintenant. Si cet emplacement est si secret, comment vous êtes au courant, Bianca ? C'est moi qui lui ai dit. Juste après l'expédition, j'ai écrit à Bianca pour lui dire ce qu'on avait trouvé. J'avais des artefacts à vendre, et elle avait des contacts prêts à me les acheter. Et puis, je lui étais redevable. Vous pouvez accéder à ce TEG depuis Orlaïs ? C'est loin des marches libres. Tout est relié dans les tréfonds. Enfin, peut-être plus maintenant, avec les effondrements. Certains provoqués volontairement, d'ailleurs. Ce sont de vraies routes. Elles sillonnaient tout l'Empire Nain. Les moindres recoins du continent, et peut-être même au-delà. En théorie, on peut accéder à tous les TEG par les tréfonds, mais en pratique, disons qu'il y a une raison si on ne les utilise plus aujourd'hui. Il faut qu'on les arrête. Tant que Corypheus aura cette source, il sera d'autant plus puissant. Je suis entièrement d'accord. Je vais surveiller leur opération. Si jamais vous voulez intervenir, vous pourrez compter sur mon aide. Tâche de pas me faire attendre trop longtemps, Varric. J'ai des choses à faire, moi aussi. Oui, ça devrait pas poser trop de problèmes. Tenez-moi au courant quand vous voulez aller à cette entrée. Enfin, je commençais à croire que tu viendrais pas. Personne t'a demandé d'attendre à l'intérieur de la grotte glauque. Bref, maintenant que vous êtes là, on ferait bien de se dépêcher. Ces imbéciles déplacent le lyrium rouge dans des conteneurs non sécurisés. Si on veut pas qu'ils commencent à nous parler, il faut pas qu'on traîne. Pourquoi est-ce qu'ils devraient être sécurisés ? Le lyrium est extrêmement dangereux sous sa forme brute. Il peut empoisonner les nains, ou même nous tuer. Et on est censé y être résistant. Parfois même, il peut exploser, sans prévenir. En gros, seuls des cinglés travaillent dans l'extraction du lyrium. La caste des mineurs ne le jette pas bêtement dans des seaux. Il est transporté dans des conteneurs spéciaux qui le gardent sous contrôle. Et ça, c'est pour le lyrium normal. Le rouge est encore pire. Je serais pas surprise que leurs mineurs ne survivent même pas à son extraction. Vous avez l'air d'en connaître un rayon sur les effets du lyrium rouge. Varric m'avait raconté les effets que ça avait eu sur lui et sur son frère. Comment vous êtes tombé sur cette opération, au fait ? Il doit y avoir des centaines d'entrées vers les tréfonds. J'ai utilisé cette entrée par le passé. Varric n'est pas le seul surfacien à explorer les tréfonds. Mais je dois bien avouer que je suis tombée des nues quand je suis arrivée là et que j'ai vu tous ces humains. Si vous venez avec nous, j'espère que vous savez vous battre. Non, je me disais que je me cacherais pour prier pendant que vous faites le sale boulot. Elle se défend bien. Je me défends ? Tu crois que je vais avouer que t'es meilleur que moi devant l'Inquisitrice ? Et si on arrêtait de perdre du temps ? Alors c'est ça que tu fais maintenant ? Je te demande pardon ? Tu te faufiles dans des grottes, tu tues des gens, c'est ça ton quotidien ? D'habitude, j'essaie d'éviter les grottes. Je me suis fait du souci pour toi, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Avant de recevoir ta lettre sur le lyrium rouge, tu m'avais pas donné de nouvelles depuis l'explosion de la chanterie. Ça faisait si longtemps que ça ? Sérieusement, si t'étais mort là-bas, je serais venu à Kirkwall et je t'aurais déterré juste pour te botter les fesses. Et si j'avais été incinéré ? Eh ben, je t'aurais botté les cendres. C'est moi qui ai forgé ces portes. Ils ont dû fermer celles-ci de l'autre côté quand on a commencé à faire du bruit. Tada ! Vous êtes venu ici assez souvent pour retaper la grotte ? Je vous ai déjà dit que j'avais utilisé cette entrée par le passé. Je sais pas si Varric vous l'a dit, mais la guilde marchande est impitoyable. Et c'est un doux euphémisme. J'ai forgé ces portes pour empêcher des rivaux de me suivre jusqu'ici et de provoquer un accident. Heureusement que vous êtes venu, dites-moi. On me le dit souvent. Après vous. Comment va
va, machin chose ? Bogdan ? Il est au Nevara en ce moment. Il vend ma machine à de riches propriétaires. Paraît que certains membres de la guilde voulaient élever au rang de hôte pour cet engin. Ça n'arrivera pas, même si je suis un bien meilleur forgeron que Brancard. Une haute surfacienne ? Impossible. Amusant, mine de rien. Ça me rappelle le bon vieux temps. Je me souviens pas avoir déjà tué des gens avec toi. Tu te rappelles quand on s'est incrusté au dîner de la guilde de Bartrand ? C'est un peu comme si on l'avait tué. À vrai dire, c'était bien plus dangereux de s'en prendre à mon frère. Te voilà, toi. Ils pourront plus utiliser cette entrée. Bianca. Vous avez quelque chose à dire, Varric ? Par le saint postérieur d'Andraste, Bianca ! C'est toi la moucharde ! Quand j'ai su l'emplacement, j'y suis allée moi-même. J'ai trouvé le lyrium rouge et je l'ai examiné. Tu connais ses effets ? Je voulais te rendre service. Tu veux aider ton frère, non ? Je voulais juste... comprendre. Vous avez compris ? À vrai dire, oui. J'ai découvert que ce lyrium rouge... Il est vicié, Varric. Tu sais ce que ça veut dire ? Quoi ? Que deux choses mortelles se sont associées pour former une chose encore plus mortelle ? Le lyrium est vivant. Ou presque, disons. L'enclin n'infecte pas les minéraux, seulement les animaux. J'ai pas pu aller plus loin toute seule. Alors j'ai cherché un mage garde des ombres. Un expert à la fois en enclin et en magie. Et j'ai trouvé un homme, un certain Larius. Il avait l'air de vraiment vouloir m'aider. Alors, je lui ai donné une clé. Larius ? C'est le garde des ombres qu'on a croisé dans la prison de Corif. Et merde. Je savais bien qu'il y avait un truc qui clochait. Ce n'est que quand tu m'as dit avoir trouvé du lyrium rouge à Dars que ça m'a mis la puce à l'oreille. Je suis venue ici, et puis je suis venue toi. Ce nom vous dit quelque chose, Varric ? Il était à la prison des gardes des ombres où on a trouvé Corypheus. Et à cette époque, ce n'était certainement pas un mage. Vous deviez savoir qu'on découvrirait ce qui s'est passé, Bianca. Pourquoi avoir insisté pour nous accompagner ? Varric m'a dit ce que les gens faisaient de ce lyrium rouge. Il fallait que je fasse quelque chose. Vous ne pouviez pas savoir ce qu'il arriverait. Et puis quoi encore ? Je lui avais expliqué tous les dangers de cette saloperie. Je lui avais dit de pas s'en mêler. Je sais que j'ai fait une erreur, mais on l'a réparée. Je sais pas ce que je peux faire de plus. Il s'agit pas d'une de tes machines, là. Tu peux pas remplacer une pièce et faire comme si c'était rien passé. Je peux toujours essayer, non ? Ou est-ce que je suis censée me morfondre sur mes échecs toute ma vie et raconter des histoires sur ce que j'aurais dû faire ? Comme si je racontais des histoires sur mes propres erreurs. Oh, quand vous aurez fini votre scène de ménage, vous m'appellerez ? Pardon, Inquisitrice. On a fait tout ce qu'on a pu. Bianca, tu ferais mieux de rentrer chez toi. On doit t'attendre. Varric. T'en fais pas pour moi. Prenez soin de lui, Inquisitrice, ou je vous ferai manger vos yeux au petit déjeuner. Je suis content d'avoir des réponses, mais... Merde ! Dès qu'elle a débarqué, je m'en suis douté. C'est juste que... C'est ma faute, tout ça. Je lui ai parlé du Teg. Et je suis pas doué pour gérer ce genre de conneries. Là-dessus, je crois qu'on est tous dans la même galère. Non, non, moi, je fais rien. Je laisse faire. Si Cassandra m'avait pas traîné jusqu'ici, je serais à Kirkwall en ce moment à faire l'autruche. Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous avez travaillé autant que nous tous pour arrêter Corypheus. Vous croyez ? Franchement, je sais plus. Merci pour votre aide là-bas. Après tout ça, vous croyez que vous reverrez Bianca ? Je la revois toujours. Vous voilà, je vous cherchais partout. Vous avez de la chance, on a failli commencer sans vous. Qu'est-ce que vous alliez commencer, au juste ?
l'ai trouvé, fanfreluche. Hein, donnez-lui des cartes. J'espère me souvenir des règles. Il y a une éternité que je n'ai pas joué à la grâce perfide. Asseyez-vous, on va commencer. Bon, on joue ? Trois dregs valent plus qu'une paire d'épées ? Je ne sais jamais. Chercheuse, vous vous rappelez quand je vous ai dit de ne pas montrer votre jeu ? Eh bien, évitez aussi de l'annoncer à tout le monde. Il a une couronne sur la tête, mais une épée aussi. Sa tête n'en voulait pas. Parlez pas aux cartes, petit. Il a l'air d'y avoir assez de monde, et j'ai un millier de choses à faire. Il n'y a rien de plus relaxant et addictif que de perdre de l'argent. Essayez donc. S'il y a bien quelqu'un qui a besoin de se détendre, c'est vous, Bouclette. Le donneur commence. Oh, je crois que je vais commencer à... 3 cuivres. Vous croyez que c'est trop risqué ? Peut-être juste 1. Oh, allez, je suis joueuse. 20 pour 3. C'est une blague ? Qui commence à 3 cuivres ? C'est de l'argent ou rien. Très bien, ça me va. On est là pour jouer, pas vrai ? Je vous suis. Moi aussi. Alors, vous jouez ? N'oubliez pas que je suis novice. Vous en faites pas, vous allez vite prendre le coup de main. Ça brille. Le pauvre bleu s'est enfui dans le réfectoire en petite culotte. Un silence glacial a envahi la salle, et les 70 mages et 30 templiers se sont tous retournés pour jeter un œil. Puis, lentement, une salve d'applaudissements a commencé et ne s'est arrêtée qu'une fois que tout le monde était debout. Une vraie ovation. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a salué, tourné les talons et il est sorti au pas comme s'il portait une armure intégrale. Non ! Brave garçon. Vous vous foutez de nous. Une histoire aussi improbable, ça s'invente pas. J'aurais jamais pu mettre ça dans un bouquin. Je crois que c'est au tour de notre conteur professionnel, maintenant. Si vous insistez. Je vous ai déjà parlé de la fois où on s'est introduit dans le château N. Comme souvent, ça a commencé par un piège. Et à ce moment-là, Oak a levé les yeux et a dit « On dirait que le duc est tombé de haut !» C'est comme ça que le duc Prosper est mort. Quoique ça lui ressemble bien. Et qui triomphe encore ? C'est Bibi. Une autre partie. J'ai compris comment vous fonctionnez, ambassadrice. Votre présomption vous perdra, commandant. Alors voyons si votre chance dure une partie de plus. Je veux une dernière chance de regagner ma dignité. Donnez-moi des cartes. Je ne veux pas vous entendre, le nain. J'ai essayé de vous prévenir, Bouclette. Il ne faut jamais parier contre une antivanne, commandant. Je m'en vais. Je n'ai aucune envie d'assister au défilé de la honte de notre cher commandant. Moi, si. Ça s'en va. Je ne savais pas que ça pouvait s'en aller. Je suis content que vous ayez décidé de vous joindre à nous ce soir. On a vite fait de vous prendre pour l'inquisitrice. Je me suis bien amusée. Vous voyez, c'est exactement ce que je veux dire. On a vite fait d'oublier que vous n'êtes pas qu'une icône, qu'un symbole, comme ces statues d'Andraste qui tiennent des coupes de feu. Enfin, je parle pour moi. Ça vous dirait de remettre ça quand tout sera terminé, inquisitrice ? Avec grand plaisir. Bien. Ça va pas être facile de convaincre Cullen. Peut-être que je devrais jouer la carte de la revanche. Alors, j'ai gagné ?